Et on commence ce journal avec un fait divers à Juvencourt. Ce lundi, les pompiers ont été appelés vers 12h30 pour intervenir sur une habitation en feu. Un différend familial serait à l'origine de l'incendie. Après une violente dispute, un jeune homme de 33 ans aurait volontairement mis le feu au domicile familial. Selon les pompiers, 3 blessés légers sont à déplorer. Les parents, le père, 70 ans, et la mère, 59 ans, ainsi que leur fils, un de leurs fils, âgé de 38 ans, ont été transportés à l'hôpital. La maison, elle, est entièrement détruite. Le relogement est en cours. Le deuxième fils, auteur de la rixe et de l'incendie, était en fuite et recherché par les services de gendarmerie avec l'aide d'un hélicoptère de la gendarmerie de Dijon. Il a été retrouvé vers 15h ce lundi après-midi et immédiatement interpellé par les gendarmes de Bar-sur-Aube.